vous retrouverez les paramètres qu'il y avait avant sur Fortnite. Bon, on est d'accord, c'est beaucoup plus propre comme ça, comme décor, non? Hello les gars, c'est Lazy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo particulière et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc, comme vous avez vu, un peu plus propre, un peu plus sérieux le décor qu'avant, avec le petit Pikachu, avec la petite baguette de souffle de Harry Potter. Enfin bref, on est là pour parler de Fortnite, de la dernière mise à jour qu'ils ont fait. Donc ils ont supprimé le spam LDR2 pour les joueurs qui sont sur PC, mais pas que, ils ont fait plein d'ajouts différents, que ce soit pour la vitesse de rotation de la caméra, etc., sur la sensibilité de la construction. Et j'en passe, mais ça a apporté beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens ont eu des bugs, on va dire, qui retrouvaient plus leur sensi d'avant. Donc on va régler ce problème. Bon, c'est cool, Fortnite a sorti une nouvelle map pour Pou. Aujourd'hui, il peut être à cause d'une erreur d'Epic Games qui a mis en ligne la version 10.40 en avance sur Android. Les joueurs ont découvert qu'un balise près de Junk Junction a été activé. What the fuck? Ta gueule! What? Je me fais écouter par Google. Donc je disais, c'est cool, Fortnite a rajouté une nouvelle map pour s'entraîner. Mais le problème, c'est que quand on regarde nos paramètres, on n'a plus accès à nos anciennes sensibilités. Et moi, je suis là pour pallier ce problème, pour régler ce petit souci et avoir accès de nouveau. Donc là, comme vous voyez, personnellement, au début, j'ai essayé de remettre à peu près la sensi que j'avais avant. Et c'était horrible. Ça me faisait des espèces de bugs. C'était soit trop rapide dans la sensibilité, ou soit pas assez rapide. Donc j'ai farfouillé un peu tous les petits paramètres qu'il y avait là. J'ai essayé de toucher plein de trucs, que ce soit l'accélération de la caméra, de je sais pas quoi. Ils ont rajouté tellement de menus, il y a plein de choses, je sais même pas ce que ça veut dire. Et en farfouillant un peu, en fait, je me suis rendu compte que déjà on pouvait copier les paramètres de la base. Donc ça, en fait, on peut copier les paramètres qu'on avait justement à cet endroit là donc déjà en faisant cette solution, on peut retrouver à peu près, je dis bien à peu près, les paramètres qu'on avait avant. Voilà, là on retrouve notre ancienne sensibilité pour faire des 90, etc. Mais personnellement, j'avais oublié qu'on pouvait mourir dans ce mode de jeu. Mais personnellement, même en faisant cette option, je trouvais que c'était pas encore vraiment la sensibilité que j'avais avant. Donc il y a une deuxième solution. La deuxième solution qui arrive, c'est juste ici. On a le mode ancien contrôle de caméra. De base, il est sur non. Là, vous mettez sur oui, vous faites appliquer et en fait, quand vous allez dans les paramètres de base, vous retrouverez les paramètres qu'il y avait avant sur Fortnite. Et moi, je préfère ces paramètres-là parce que, quoi qu'on en dise, par exemple, là, j'étais à 61. Si je mets à 69 ou à 65, en fait, ça va bouger de pas beaucoup. Mais dans la sensibilité, on va dire que ça va se ressentir et je trouve que c'est beaucoup plus précis que les nouveaux paramètres qu'ils ont voulu mettre en place, même si dans l'idée c'est plus simple à comprendre les nouveaux paramètres qu'ils ont mis. Et là vous voyez, en fait, je me sens beaucoup plus à l'aise pour faire mes 90 avec ma propre sensibilité sans celle qu'ils m'ont rajouté eux-mêmes. En vrai, la petite map qu'ils ont faite, franchement, elle est plutôt pas mal pour ce train. Comme vous voyez, j'ai fait une 33 pour être dans le top 10 mondial. C'est 1 minute 10, donc j'en suis loin quand même encore, il y a 20 secondes d'écart. Ça c'est un peu de la triche, mais voilà, on fait comme ça pour le moment. En tout cas voilà, c'est une petite map où l'on peut vraiment s'entraîner. Bon après là c'est du par cœur, mais on peut faire des builds, des edits, tout ce que vous voulez. Après j'avoue que ça peut être vite du par cœur. Mais voilà, en tout cas... Oh, attendez les gars, hop, le petit LDR2. On est sur un bon run, non, en vrai. Ouais, s'il est pas marre, lui. Et voilà, hop là. Bah, nouveau record. Le petit 1.28 de proposer, bon voilà, en tout cas... Là je l'ai fait en mode de façon pas très hard, on va pas se le cacher, je suis pas ouf. C'était pas une vidéo parcours, mais comme ça vous aurez pu découvrir un peu le parcours avec moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et si jamais vous voulez en savoir plus concernant la meilleure configuration manette à avoir ou encore les meilleurs paramètres qu'il faut appliquer sur Fortnite,
je vous invite tout simplement à regarder mes vidéos qui s'affichent juste en haut de votre écran en ce moment même. Donc vous avez deux vidéos de proposer, c'est la meilleure config manette et aussi les meilleurs paramètres à voir sur Fortnite. Il y a eu 2-3 nouveaux trucs sur Fortnite, mais franchement, rien de fou furieux. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir et lâcher votre meilleur pouce bleu. Partagez la vidéo à vos potes si l'un de vos potes a le même souci que vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour d'autres vidéos. Et moi je vous dis à plus les potes. Petite fin ASMR les potes.